Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Rivka Batsara et Rachel Batsara. Si vous souhaitez, vous aussi, dédicacer une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions aujourd'hui Baba Metzia, Perek Dalet, Mishnah Yudalef. En Narvin Perot be Perot, Afilu Chadashim ba Chadashim. ואין צריך לומר חדשים בישנים. באמת, ביין יתירו לערב כשברך, מפני שהוא משביחו. אין מערבין שמרי יין ביין, אבל נותן לו את שמריו. מי שנתערב מים בינו, לא אם קרנו בחנות, אלא אם כן הודיעו. ולא לתגר אף על פי שהודיעו, שאינו אלא לרמות בו. מקום שנהגו להטיל מים ביין, יטילו. On continue la halakhot de Ona'a, d'escroquerie, d'arnaque. Jusqu'à maintenant, on a parlé des valeurs. Tu le vends plus cher, tu le vends moins cher. On a parlé entre parenthèses hier, le vendredi, de la Mishnah de Ona'at Dvarim, par la parole. Et cette fois-ci, maintenant, on continue la halakhot d'escroquerie en vendant, cette fois-ci, une espèce à titre d'une autre espèce, en faisant la différence. Je vous dis tout de suite le principe. Lorsque je commande, supposons que on va commander deux sortes de... On va commander des fruits, on va commander des récoltes, du vin. On va voir plein d'exemples. Ce que l'on commande, ce que le client me commande, je dois lui fournir. Je ne peux pas lui fournir une autre qualité. Bien évidemment, lorsque la deuxième qualité est moins bonne, ça, c'est évident, ça va être précisé dans la Mishnah. Mais même lorsqu'on va se retrouver avec deux qualités différentes, où l'une a un avantage et l'autre un autre avantage. Donc, l'une a un défaut et l'autre a un autre défaut. D'accord ? Il y a deux atouts. Un, il a l'avantage d'avoir un goût plus parfumé, mais de risquer de pourrir plus vite. Et l'autre, au contraire, de tenir longtemps, mais d'avoir un goût moins parfumé. Donc, il y a une différence. Il y a certes un avantage pour chacune. Il y a une différence essentielle entre chacune. Et même si on est plus intéressé à récupérer... même s'il y a des gens qui sont plus intéressés à récupérer l'autre espèce, malgré tout, si moi je suis venu commander celle-ci, tu me donnes celle-là et pas l'autre. D'accord ? Ça va être tout le long de la Mishnah, c'est le fil directeur de toute la Mishnah. Et on commence avec la première partie de la Mishnah, la Reisha. En ma'arvin perot beperot, afilu chadashim machadashim, ve'en tzarich lomar chadashim bayishanim. On n'a pas le droit de mélanger des fruits avec des fruits. On avait expliqué quand on étudiait le perek bet, le deuxième perek de Baba Metzia, que fréquemment on appelle perot les. Récolte de céréales. Les céréales, on les appelle les perotes aussi dans la Mishnah, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait que ça signifie la production, ça vient de Pérou, les frottes, probablement. Production, perotes, ça se touche. Hein. C'est intéressant ça. En tout cas, voilà. En Marvin, perotes, mais perotes. On n'a pas le droit de mélanger des récoltes avec des autres récoltes. Afilu Chadashim, Bachadashim, même une nouvelle récolte avec une autre nouvelle récolte. Venzech Lomar, Chadashim, Bayeshanim. Et inutile, c'est pas la peine de le préciser, mais ouais, il va sans dire en bon français que tu n'as pas le droit de mélanger de la nouvelle récolte dans une ancienne récolte. On explique. De quoi on parle ? On parle de blé. Le blé, on l'achète essentiellement pour le moudre. Le vieux blé est plus sec. Puisqu'il est plus sec, il produit plus de farine. Alors qu'un nouveau blé, il est de, le grain n'a pas eu le temps assez de sécher. De ce fait, il produit moins de farine. De ce fait, la Mishnah nous dit, lorsque tu viens commander une récolte, la récolte de ce champ, tu m'as dit ce champ-là qui est devant nous, tu veux que je te donne 100 kilos de blé. Une fois que je vais le récolter, je vais le battre, je vais en tirer les grains de blé avant de le moudre, je te donne le blé et toi tu le gardes, tu vas faire des matzot l'année prochaine. Peu importe. D'accord ? Maintenant, tu es venu commander de ce champ. La Mishnah me dit, tu n'as pas le droit de donner dans notre champ. Dans la mesure où il y a une différence, bien sûr, ça va être forcé, la suite de la Mishnah qu'on va apprendre dans pas longtemps. On parle qu'il y a une différence, Peut-être que l'un, il est plus riche d'un certain... Il y a une différence entre les deux, d'accord ? Donc tu n'as pas le droit de les changer. « Ve'en tzarech lomar chadashim bayishanim » Il va sans dire que tu n'as pas le droit de lui donner de la nouvelle récolte à titre de l'ancienne récolte. C'est-à-dire... Tu viens me commander de la vieille récolte, de l'ancienne récolte, tu me commandes 100 kilos, je n'ai pas le droit de te donner. Disons qu'il me restait 10 kilos de blé de la nouvelle récolte, que je les ai ici, je lui dis, bah allez, je lui mets directement, je le mélange, sans aucune mauvaise intention, d'accord ? Malgré tout, la Mishnah me dit, tu n'as pas le droit de lui faire. Il a commandé de la nouvelle, de l'ancienne, tu lui donnes de l'ancienne. D'accord ? La Mishnah de la Gemara nous précise.
même si la nouvelle récolte coûte plus cher que l'ancienne récolte. Vous allez me dire, regardez comment je suis gentil. Je lui donne une récolte qui coûte plus cher. C'est vrai, mais elle coûte plus cher pour X ou Y raison. C'est pas notre problème. Concrètement, lui, il a envie de prendre le blé et d'en faire de la farine pour faire plein de gâteaux. Et là, si tu vas lui vendre la nouvelle récolte, aussi bon soit-il ton grain de blé sympathique, il ne va pas obtenir la quantité de farine qu'il voulait, il va se retrouver en porte-à-faux. Il n'a pas le droit de lui vendre. Par contre, la brigade de la Mishnah continue de nous dire « Be'emet, be'yayin itiro le'arev kashé berach, mipenei shehu mashbicho. » Dans le vin, ils lui ont permis de lui vendre du kashé berach, du vin épais, de mélanger du vin épais dans du vin plus souple, léger, moins fort. Parce que cette fois-ci, tu ne fais que d'améliorer le vin plus léger. On explique. Le vin, donc, on commence d'abord par écraser les raisins et on récupère donc un jus de raisin qu'ensuite on va prendre et qu'on va faire fermenter pour en faire du vin. Alors, la Mishnah nous enseigne. Lorsque tu viens me commander du vin, tu préfères la sorte plus légère de ces pieds de vigne là, qui est plus léger, c'est ce que tu m'as commandé. Maintenant, moi, pour X ou Y raison, je voulais te prendre un petit peu, il me restait un fond de vin ici, du vin plus épais, et de le mélanger avec le vin léger que tu voulais. La Mishnah me dit, tu as le droit de le faire. Tu sais pourquoi? Tu fais que de l'améliorer. Question prix d'abord. Bien sûr, on parle, il faut forcément dire, c'est pas précisé, mais c'est évident qu'il n'y a pas que le vin plus épais ne coûte pas moins cher que le vin nouveau. Parce que c'est le vin nouveau. Le vin plus léger. Parce que si le vin léger coûte plus cher, c'est qu'il a. Les gens, ils sont pas bêtes. Si ça coûte plus cher, c'est que c'est mieux. D'accord? Donc, dans la mesure où le vin nouveau a un avantage, ça pourrait lui donner de la mauvaise qualité. Mais dans la mesure où c'est le même prix, et il est juste venu commander, ou c'est le même prix, ou ça coûte moins cher, alors la Mishnah nous enseigne, c'est mieux de lui donner tu as le droit de lui mélanger un petit peu de vin épais dans le vin nouveau, parce que cette fois-ci, tu ne feras que de l'améliorer, en réalité, ce sera un vin qui risquera moins de tourner au vinaigre. Plus il est fort, moins il tourne au vinaigre. Précision très importante, je l'ai pris dans mon exemple, j'ai parlé où on va mélanger le jus de raisin avant qu'il fermente. Parce que c'est la Gemara qui nous dit, tous ces mélanges-là, ça améliore uniquement lorsque tu les mélanges avant de faire fermenter. Par contre, si tu les mélanges après fermentation, chaque vin, il a pris son goût. Lui, tu l'as mis dans des fûts qui étaient en cerise, en cerisier, il a pris un goût spécial et l'autre, il a pris un goût spécial. Et tu n'as sûrement pas le droit de les mélanger, même si lui, il est épais, parce que chacun, c'est son goût. D'accord? Et autre précision aussi, on ne parle aussi que du cas où on ne goûte pas le vin avant d'acheter. C'est-à-dire, je m'explique, je vends du vin, j'ai des fûts de vin plus souple, des fûts de vin, ouais, bien sûr, pas vraiment du vin, mais du jus de raisin avant fermentation, donc j'ai en fait des puits, et tu viens, tu me commandes et tu me dis, tu sais quoi, tu me donneras de ce vin souple, ouais, ça me suffit, tu me commandes de ce vin souple. Alors la Mishnah me dit, j'ai le droit de les mélanger, et ensuite j'ai fait tout fermenter, je te le fais fermenter, je te le donne tel quel. Même si je t'ai rajouté du vin épais, parce que j'ai fait que d'améliorer. Par contre, après fermentation, j'ai pas le droit de les mélanger. Si par contre, après fermentation, je les mélange, et ensuite, je vends ce vin. Ouais, c'était à l'époque, il y avait les épiceries, on remplissait les bouteilles, on remplissait le lait, on remplissait les... Comme Jouk Marne Gouda, on remplit encore les olives et les... D'accord? Dans la même idée, on vient et on remplit le vin. Alors dans ce cas-là, cette fois-ci, j'ai le droit de mélanger ensemble, parce que je te le fais goûter, le vin. Si on est dans un endroit où on goûte avant d'acheter, alors là, dans ce cas-là, j'ai le droit de les mélanger parce qu'il n'y a aucune arnaque. T'as bu, t'as aimé ce vin, qu'est-ce que ça change maintenant l'appellation? Bien sûr, si je trompe et j'écris une certaine appellation et après une autre appellation, alors à nouveau, il y a tromperie. Mais autrement, bien sûr, j'ai le droit de les mélanger. Et voilà pour l'essentiel de la Mishnah. Donc, on conclut en fait, on synthétise, et je vous pose un problème que j'ai quand même dans cette Mishnah, que je vais vous apporter la réponse que je me suis dit, quoi. Donc concrètement, la règle, elle est claire. Tu vends une espèce dans le même produit. Il y a deux sortes différentes. En théorie, tu n'as pas le droit de changer une sorte par une autre. Tu n'as pas le droit de les mélanger. Dans la mesure où il y a peut-être un avantage dans la sorte que tu commandes,
qui n'est pas dans l'autre sorte. Même si, question prix, il est possible que tu gagnes. C'est-à-dire que l'acheteur en gagne. Il va voir maintenant quelque chose qui coûte plus cher. Malgré tout, dans la mesure où il y a peut-être un avantage dans ce qu'il a commandé plus que dans l'autre, on n'a pas le droit, le vendeur n'a pas le droit de changer et de lui rajouter de l'autre espèce. D'accord ? C'est la règle générale de toute la Mishnah. Je vous soulève quand même un petit problème qui me dérange tout le long de la Mishnah. C'est que, concrètement, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'entrer dans la tête du vendeur. Pourquoi ce vendeur s'obstine à donner une autre qualité ? Supposons qu'elle est mieux. Alors pourquoi il la donne ? Il est bête, c'est un pigeon. Pourquoi il la donne ? J'ai un problème, c'est un problème que j'ai dans cette Mishnah. Pourquoi il la donne ? Parce que si il veut la lui donner, il a un intérêt à la lui donner, c'est que forcément il n'a pas envie, lui, de se la fourguer, de se la garder. Alors s'il ne va pas se la garder, pourquoi il va la donner à quelqu'un d'autre ? C'est un problème qui me dérange. C'est-à-dire, vous comprenez mon problème ? C'est pas un problème de metziout, de réalité sur la Mishnah uniquement, c'est plus profond. J'ai un problème. Pourquoi ? C'est-à-dire, dans la mesure où le vendeur veut absolument mélanger une récolte, et on va lui dire, ah là t'as le droit, là t'as pas le droit. Dans la mesure où on lui permet de mélanger, j'ai une question. Pourquoi ce vendeur a forcément envie de mélanger cette récolte ? Pourquoi il s'entête à le faire ? Il a un intérêt. Pourquoi il a un intérêt ? C'est qu'il y a un avantage, il n'a pas envie lui de la garder. Donc c'est un problème. Donc c'est un problème. Il n'a pas le droit non plus de la donner à l'acheteur. C'est un problème que j'ai dans tout le long de la Mishnah. Ouais, on va prendre le cas concret. On t'a dit, le vin épais, t'as le droit de le mélanger avec le vin souple. Mais pourquoi tu veux le mélanger ? Pourquoi tu ne le gardes pas pour toi ? T'es bête ? Il est de mauvaise qualité, donc forcément. Alors c'est de mauvaise qualité, pourquoi tu veux le donner à quelqu'un d'autre ? Alors il est de bonne qualité ? Alors quoi ? Il n'est pas normal. De quoi on parle ? Et en fait, l'idée, ce que je me suis dit, c'est que sûrement, ça arrive qu'il nous reste un fond, par exemple. Il y a eu un premier client, j'avais, disons, 103 litres de vin épais. Il y a eu un client qui est venu qui m'a déjà commandé 100 litres. Et il me reste 3 litres de vin épais. Alors maintenant, ces 3 litres-là, si je les laisse tels quels, ils vont tourner dans mes mains. Ouais, d'accord, je ne vais pas réussir à en faire du vin maintenant. C'est une trop petite quantité. Donc du coup, j'ai envie de la mélanger, vous comprenez ? C'est-à-dire concrètement, c'est pas que je veux la lui donner parce qu'elle a une mauvaise qualité. Ouais, c'est que forcément, elle est de bonne qualité. Et malgré tout, j'ai un intérêt, j'ai pas envie de la garder toute seule parce que je m'occupe pas avec des petites quantités pareilles, j'ai pas d'intérêt, donc du coup j'ai envie de la mélanger. Et là, vient la Mishnah, elle me dit, ah, dans la mesure, donc on parle en fait de quelqu'un qui va mélanger que parce qu'il est honnête. C'est-à-dire, il a aucune intention malhonnête, il a aucune intention d'arnaquer l'acheteur. Il a simplement envie, lui, de ne pas rester avec une mauvaise qualité, donc il a envie de mélanger. Et vient la Mishnah, elle nous dit, attention, dans la mesure où il y aura un désavantage quelconque, tu n'auras pas le droit pour l'acheteur en lui donnant l'autre récolte, même si elle coûte plus cher, et même si elle est plus parfumée, même si, dans la mesure où ce qu'il a commandé a peut-être un quelconque avantage par rapport à l'autre récolte, tu n'as pas le droit de lui mélanger. C'est clair ? On continue maintenant la Mishnah. En me'arvin shimrei yain bayain aval noten lo et shmarav. On va parler cette fois-ci de la lie du vin, des dépôts du vin. Comment ça se passe ? Il y a un fût de vin. Donc on parle d'un épicier. Comme on a dit au Shouk Mahane Yehuda, on va là-bas et on achète et on remplit. Et comme ça, ça arrive aussi qu'on achète aussi du vin. Donc il a un fût qui est ouvert. Et ce qui se passe, c'est que plus le temps passe, plus les heures passent, plus le vin se décompose un peu. Le plus léger monte en haut et la lie tombe en bas. Ou peut-être qu'elle va aussi en haut, en tout cas, ça dépend. Il y a des choses qui... Alors la Mishnah vient me dire, tu sais quoi ? Il y a un problème dans cette Mishnah. D'abord, on traduit dans les mots. On ne mélangera pas la lie du vin avec le vin, mais il pourra lui donner la lie du vin. Alors quoi ? On mélange la lie ou on ne mélange pas la lie ? Il y a un problème à comprendre cette Mishnah et la Gemara, la réponse de la Gemara, et ensuite, je vais vous synthétiser ce que j'ai vu. C'est fondé sur le Tosfot Yom Tov ici et sur le Chidushim Ha'Arinah. On parle de quoi ? Concrètement, je vous donne la halakhot, après je vais faire entrer ça dans les mots. Chaque fût a sa lie de vin. Et il y a un certain pourcentage de lie de vin. Bien sûr, le vendeur, il a tout intérêt à ne pas vendre le vin qui s'est tranquillement, qui s'est tout seul décomposé, vendre le vin souple, parce qu'il va se retrouver à la fin, il va lui rester 2 litres qui vont être de la pure lie, il ne va pas pouvoir la vendre. Alors que s'il veille à chaque fois à mélanger, il va pouvoir vendre tout le fût. Vous imaginez bien, à raison de 15 shekels le litre de vin, ça va être une perte de 30 shekels sur le tonneau. Il faut y faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient acheter, la halakha lui dit,
tu ramasses de tout le tonneau en même temps, tu rentres ta louche bien jusqu'au fond, tu ramasses de tout en bas et tu le verses comme ça. Et comme ça, au moins, si c'est éventuellement décomposé, la lie de chaque vin, tu la vends avec son propre vin. Par contre, supposons par exemple que, pour X ou Y raison, quelqu'un est venu lui demander de lui sortir de la lie du vin. D'accord ? Donc ce qu'il a fait, il a pris cette fois-ci un écumoir, il a rentré tout au fond de la chabite, c'était son fils, pour l'amener au Gan, pour qu'il rentre à la Ganénette, qu'il a de la lie du vin. D'accord ? Il est parti, il a pris un écumoir, il l'a mis tout au fond, il a remonté de la lie du vin. Donc maintenant, il s'avère que dans ce tonneau, il vient de sortir à l'instant un volume de 1 demi-litre de schmarim, d'accord, de lit du vin. Il se dit, tu sais, j'étais bête. Je vais prendre des anciens schmarim, donc de l'ancienne lit, et je vais leur mélanger. Pourquoi? J'avais le droit de le faire, c'était dedans de toute façon. La Mishnah me dit, non, t'as plus le droit de mélanger des schmarim, de la lit du vin, d'un ancien vin. T'as pas le droit de mélanger. Pour la simple raison, quand tu vas rentrer de la lit d'un autre vin, tu vas abîmer ce tonneau. Les mélanges, c'est pas bon. Ça peut faire tourner plus facilement. Chacun il a sa propriété, chacun il a pris son goût, il a sa manière d'avoir évolué. Tu vas commencer à les mélanger, tu vas juste abîmer et faire que ce vin risque de, par exemple, de tourner au vinaigre plus vite, développer un mauvais goût, avoir un problème, d'accord? De ce fait, la Mishnah me dit donc, tu n'as pas le droit de prendre des shimreyaïn, de la lie du vin, d'un autre vin, de la mettre dans ce tonneau. Même si t'es chas v'shalom, t'es pas du tout malhonnête, t'es pas en train de voler le public. De toute façon, tu pouvais, ouais, je rajoute ce que j'ai lu dans le Chumash Ariyah. Même si, concrètement, il y avait initialement de la lie du vin et tu pouvais la lui vendre, à titre de vin, t'avais le droit de la mélanger, et tu l'as sorti pour X raison, t'as envie d'en remettre, t'as pas le droit d'en remettre. Aval noten lo et shmarav, par contre, la lie de ce propre vin, tu as le droit de la lui vendre. On continue ensuite. Un autre cas. Mishinit arev maim beyeino, lo imkerno bachanut et leimken odio. On a toujours notre épicier de Machane Yehuda. Et pendant qu'il était en train de se servir un verre d'eau, il a posé la bouteille, tac, la bouteille est tombée dans le tonneau de vin. Donc maintenant, il a mis de l'eau dans son vin. C'est bien pour les midotes, mais pas pour la vente de vin. D'accord? Il a mis de l'eau dans son vin. Donc, Mishinit arev. L'eau maïm beyeno, il a eu de l'eau qui s'est mélangée dans son vin. L'oïm kerenu bachanout, il ne pourra plus le vendre dans le magasin. Et l'aïm ken odio, uniquement s'il dit au vendeur, il met une petite pancarte, il y a eu vin mélangé à l'eau à 3%. D'accord? Il annonce, il doit nécessairement faire savoir au public. Il n'a pas le droit de le vendre à titre de vin. C'est très logique. Bien sûr, on n'a pas besoin d'illustrer ça, c'est clair. Sinon, tous les vendeurs de vin, ça coûte beaucoup moins cher l'eau que le vin. Donc, interdit. Velo la tagar afalpi chez Odio. Il n'aura pas le droit de le vendre non plus à un grossiste. Même s'il lui fait savoir, chez Noël à l'Era Modbo, lorsqu'il va vendre un grossiste, lui, le grossiste, il ne vend pas. Lui, il va ensuite donner ce vin, mélangé à l'eau, à ensuite des épiciers qui vendent à titre personnel. On craint, et c'est très logique, qu'il va y avoir un maillon de la chaîne qui va un petit peu délirer et qui va se mettre à vendre ce vin-là à titre de vin. Donc toi, maintenant, tu n'as plus le droit de le vendre à un grossiste. Un tagar, c'est un grossiste. C'est quelqu'un qui achète et qui revend des marchandises. D'accord ? Avalpi chez Odio, chez Noël Alera Motobo, parce que c'est sûr que la conséquence de sa vente va être qu'il va escroquer des acheteurs. Ensuite, la Mishnah nous dit, « Ma kom shenago latil maim baya inyatilu. » Un endroit, un lieu où on a l'usage d'ajouter de l'eau dans du vin, alors la Mishnah nous permet d'ajouter. « Akol kiminaga medina. » C'est un problème des acheteurs. Les acheteurs, ils ne s'attendaient pas à recevoir de l'eau dans leur vin. Ils ont payé un prix pour avoir du vin. Donc, tu n'as pas le droit de leur donner de l'eau coupée à l'eau, du vin coupé à l'eau. Par contre, si c'est dans un endroit où tout le monde sait, c'est dans les normes, un pourcentage admis de un sixième, je ne sais pas, d'accord? Alors tu auras le droit toi aussi de rajouter cette eau, tu n'as pas lieu d'être marmire, de vendre que du pur vin. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Martenora. En Marvin Perot Beperot. Donc on revient sur la première partie de la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de manger des récoltes avec des récoltes.
בעל הבית האומר לחברו פירות שדה פלוני אני מוכר לך לא יערם בפירות שדה אחר. Un agriculteur qui dit à son ami, je te vends la production de ce champ-là, ça déplonit, je te vends, celui-là, je te le vends. Lo yarvem beperot sadacher, il ne pourra pas les manger avec des fruits d'un autre, de produire la production d'un autre champ. Et il va sans dire qu'il n'aura pas le droit non plus de mélanger des chadashim bayeshanim. S'il lui vend des anciens, il n'aura pas le droit de lui mettre dedans de la nouvelle récolte. S'il a décidé de lui vendre de l'ancienne récolte, lo yarev imaim chadashim, il ne pourra pas lui vendre de la nouvelle, shayishanim, yeveshim, vosim kemach yoter mina chadashim, car yeshanim yeveshim, l'ancienne récolte est plus sèche et donc elle produit plus de farine. Et sur ça, je vous ai rajouté la Gemara qui nous dit, même si l'ancienne récolte coûte 3 et la nouvelle récolte coûte 4, donc elle est plus intéressante. Comment dire, même concrètement, il reçoit plus de valeur lorsque tu lui mets la nouvelle récolte dans l'ancienne. Malgré tout, tu n'as pas le droit. Lui, il a envie de moudre son blé et d'avoir une quantité de farine. Et, t'as pas le droit de... et toi, tu, maintenant, tu vas lui faire diminuer cette quantité. Faut continuer. Mipnei Shemash Bicho. De quoi on parle? Mipnei Shemash Bicho. On était dans. Lorsqu'il lui mélange le vin épais avec le vin plus souple. Mipnei Shemash Bicho, il a le droit de lui mélanger parce que cette fois-ci, il améliore. Caché Mashbiach et Arach. Le vin épais améliore le souple, le léger. L'efficar pasakimorach marev bokaché. C'est pour ça que s'il a fixé de lui donner du souple, du léger, il pourra lui rajouter dedans de l'épais. Aval pasakimokaché, lo yarevimo et arach. Mais si c'est le contraire, il a fixé de lui vendre du vin épais, il n'aura pas le droit de lui rajouter du vin plus léger. En marvin shimre yain, shel chavit zo be yain, shel chavit acheret. Il n'aura pas le droit de lui manger la lie d'une autre. D'un autre fût avec ce fût-là, avec ce tonneau. Aval noten lo etchma rav shaliyain asmo. Par contre, il ne pourra lui mélanger, lui donner la lie de ce propre vin. Donc, comme on a dit, il lui a un petit coup de louche et il lui vend. Il y a dans Baba Batra, lorsqu'on arrivera dans Baba Batra, je crois, Perek Shishi, je suppose, on reparlera longuement de plein de cas de figure. On rentrera à fond dans ces détails-là, qui sont en fait en parallèle. Ensuite. Donc, ça c'était le cas où l'eau se mélange avec le vin. Il ne pourra le vendre au magasin, mais pruta pruta, un petit peu par un petit peu, chacun vient boire son verre. Uniquement s'il fait savoir à chaque acheteur, indépendamment, il y a de l'eau mélangée dedans. Velo la tagar, loim kerenu beyachad, veafalpi sheodio, le fichen olokro el aleramot ul mochro bechanout. Il ne pourra le vendre au grossiste, donc en même temps, il ne pourra pas lui vendre du tout. Aval Pichadio, même s'il lui fait savoir, parce que lui, il va dire t'inquiète pas pour moi, je vais réussir à le refourguer au prix de la bonne cam. Donc, interdit. Les fiches, nous, le cro, elle a la ramote, le cro, bechanout, parce qu'il ne le prend pour le receler ensuite, uniquement pour le vendre, pour tromper et le vendre en tant que bonne qualité. Mais comme Shinagula Tilbaim Yain, Davka, précision importante, comme ce qu'on a dit en haut, avec le mélange des vins, la même chose lorsqu'on mélange l'eau. Mélanger l'eau dans le vin, c'est uniquement lorsqu'on le mélange avant la fermentation du vin. Par contre, une fois que le vin il a déjà fermenté, donc il est déjà devenu du vin, le jus de raisin il s'est transformé en vin, là, il faut sûr, on n'a pas le droit du tout de rajouter de l'eau à ce moment-là. Des kevan chena, d'accord ? C'est ce que ça voulait dire. Davka ben agitot y a-t-il ? Ben agitot, gâte du vin, le gâte, je ne sais plus comment ça se dit en français. C'est le lieu où on, le pressoir, je pense. Ouais, c'est pas mal. Donc, Davka ben agitot y a-t-il. Uniquement lorsque ça se passe au pressoir, là-bas, on a le droit de mélanger de l'eau. Mais par contre, une fois qu'on a déjà pressé le vin et ensuite on l'a déjà mis dans les fûts, plus question de mélanger de l'eau. D'accord? C'est de la pure arnaque, on n'a pas le droit de le faire. Je déduis donc, même, comme ça il faut déduire, j'ouvre la porte, à vous de décider. Même si l'usage est de vendre du vin coupé à l'eau qu'on rajoute ensuite, la Mishnah ne nous permet pas de le faire cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, t'arnaques, il n'y a plus de limite. Je ne sais pas, ça demande un approfondissement sur la question. En tout cas, « Dekevan shenagu en kantaout, shekol ayeinot becheskat ken » Et le Barthénois nous précise, d'accord.
il y a ici un petit... Non, j'étais en train de regarder le 27 octobre. En tout cas, « Dedekevan shenagou en kentaout » étant donné que c'est l'usage, il n'y a aucune tromperie. « Shekola yenot bechestatken » car tous les vins qui le vendent sont réputés pour être de la même manière. D'accord ? Je soulève une question à vous de voir, d'approfondir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain à Kol Tov. C'est là.